Et tous les jours une mission, tous les jours un stream, 19h. Qu'est-ce que vous allez pas me faire faire aujourd'hui? C'est incroyable. Aujourd'hui, on va se faire un shmup. Oui, j'entends les applaudissements jusqu'ici. C'est incroyable, c'est génial. Vous êtes trop fort. Bravo, merci. Oui, on va se faire un shmup. Puisqu'en fait, Raiden, je ne sais pas si vous vous souvenez de Raiden, c'est un vieux jeu mid-80s, scrolling vertical, qui avait une très très bonne réputation et qui a installé pas mal de bonnes bases niveau gameplay dans les shmups et leurs premières évolutions. Et bien, il se trouve que 20 ans plus tard, on remet le couvert. Mais attention, ce n'est pas n'importe quel Raiden, ça va être Raiden en mode simulation. Quoi? Il est ivre? Non, 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 pas en début de stream, jamais. Ce qui ne veut pas dire que je le suis en fin de stream d'ailleurs. Bande de mauvaises langues, c'est incroyable ça. Non, Raiden en fait a été refait donc en 2000, en 1998, pour être précis. Et c'est ce jeu qu'on va voir si j'arrive à lancer la capture, parce que je dois vous avouer, si vous entendez des petits bruits derrière, c'est moi qui suis en train de lutter un petit poil en faisant. Hé, la capture! La capture d'écran, tu veux bien venir? Ouais, mais non, mais tu vas quitter l'émulateur d'abord, et puis après tu vas tout relancer, et puis après tu vas sélectionner ta ROM, et après peut-être je te l'afficherai, et encore c'est pas sûr. Canaillou. Donc, allons-y donc. Ouh là là, vous allez avoir un son de fou. Alors, pour les gens qui voudront en savoir plus sur la série ou qui seraient tout simplement accro à Raiden, je vous conseille les streams précédents dans la rubrique Shmup. Il y a déjà des Raiden qui ont été chroniqués. Une petite démo? Non, parce qu'après cette intro, on est chaud bouillon là, on est comment dire? Alors, c'est fin graphiquement. Bah, on n'est pas loin des années 2000, hein. C'est peut-être un peu normal que ça commence à s'affiner. Mais bon, on n'est toujours pas en QHD. Hein. Là, si on a déjà un. J'ose même pas m'avancer sur la résolution, en fait. De toute façon, elle est affichée pendant le lancement de la ROM, ça devait être assez rigolo. La démo! Mais que c'est mignon! Et c'est super lisible! Vous savez quoi, les aminches? Il y a des chances qu'on se régale, en fait, sur celui-là. La seconde chance, je ne vous cacherai pas plus longtemps, ça serait que je joue pas trop comme une burne, ça pourrait être pas mal. Histoire qu'on n'ait pas à se retartiner de passage X fois pour essayer d'explorer ce jeu qui m'a l'air bien appétissant. Regardez-moi ça, ça pète dans tous les sens, la musique à fond. Une musique bien calme, hein, comme on aime. Terrible. Je n'y résiste plus, et ça faisait tellement longtemps que je ne l'avais pas fait que je vais encore me permettre de le ressortir. Oh, passe-moi de l'argent! 8 ans, alors dans les années 2000, je demandais encore de l'argent à ma mère. Voilà, ça c'est dit. Quoi, vous demandez pas d'argent à vos parents aujourd'hui? Non. Alors ça c'est rigolo parce que on rentre notre nom dès le début du jeu. Ne serait-il pas un petit peu des punks chez CD? On va savoir. Oh, trop d'avions! Jeu dragon! Non, mais on va faire dragon. Allez, c'est tellement con, je peux pas refuser une offre pareille. J'espère qu'il a pas un tir mité, quoi. Ah, faut que je me batte avec ça, sérieux? Les gars. Je vais avoir du mal pendant tout ce stream, je sens. Ah! Non, il a une hitbox, hein, malgré tout, qu'il soit petit. Eh oui, il peut mourir. Bon, il me plaît pas, ce dragon. Je peux changer, s'il vous plaît. Non, il me va pas du tout. Il y a une petite inertie en plus dans l'aile gauche, je crois. Non, puis les bleus, je ne vois pas bien sur le fond, c'est pas terrible. Je veux un autre. Comment ça? Je commence les streams, je fais des caprices. Oui. Ce sont mes streams, je vous le rappelle, je fais absolument ce que je veux à bord de ce vaisseau. Vous êtes mes victimes, le temps de la lecture.
et de l'exploration de quelques seufs bienveillants. Oh, lui, il va me vouloir du bien. Lui, il va me... Mais il va trop me vouloir du bien. Regardez-moi cette bonne tête qu'il a. Une tête de winner, comme on dit. C'est qui t'a en premier? C'est qui? Voilà, on prévient. Un petit tir au milieu? Non? Dégage! Tiens! Ah, mais il est pas mort. Non, il me plaît pas, Zaragon. Il me plaît pas, définitivement. On va pas être amis. De toute façon, j'ai des problèmes avec les choses vivantes. Elles restent jamais vivantes longtemps avec moi, c'est pas terrible. Donc voilà. Abrégeons les souffrances. Tuons tout le monde. Ah, mais il n'y a pas de pause interniveau. Si. On était dans une simulation, les amis. J'ai eu peur. Je m'en serais voulu de blesser un dragon pendant des exercices en plus. N'empêche que ce jeu au nom à rallonge improbable est tout à fait fréquentable. Rien qu'en un tableau. Déjà, rien que la démo, vous pensez, putain, la démo vous met l'eau à la bouche. Mais une fois qu'on a mis le stick dedans. Non, ça faut pas utiliser cette expression. Ok. Une fois qu'on a mis le nez dedans, enfin une fois qu'on a les mains sur le stick, c'est bon là. Ok. Et ben, honneur, joie, exaltation presque. Enfin pas encore là parce que j'ai pas encore fait un énorme mode panique. Pour l'instant on a du gros classique. Et je pense que monsieur, ben, vous connaissez la coutume. On attend le troisième niveau. Hein. Et au troisième niveau, je pense que ça va être la fête, non pas à Saint-Jacques, puisque Saint-Jacques est quand même un coquillage, quoi. Mais ça va être la fête à moi. Pourquoi je redis n'importe quoi? Parce que je ne savais plus que j'étais là. Ah, il y a un paquet de bonus planqués dans les décors. Alors, non, je prends un petit tir alternatif, un peu violent. Non, mais pas celui-là, ça c'est la méga bombe. J'aurais pas dû m'en servir d'ailleurs. Si je garde appuyé par exemple, non, non, que dalle. Ouh, il va pas m'amuser, lui. Il va pas m'amuser. Alors, je peux cancel un peu ça. Ok, je note pour plus tard. Ouh, crabillou. Ça va mal se passer. Ça va très mal se passer. De toute façon, on n'est pas fait pour être amis. Je le sens bien, je le sens bien. Il ne m'aime pas. Il fallait qu'il m'en mette une, de toute façon. Non, pas le dragon. Essayons de prendre quelque chose de plus assimilé à un vaisseau spatial. Regardez-moi ça. Oh là là, il a l'air trop beau, celui-là. Oh, il lui manquait 3 tirs dans le buffet, en plus. Quel dommage. Oula, mais je prends beaucoup de place sur l'écran, là, moi, avec ça. Je peux pas avoir une version comme le dragon, un peu plus petite? Comment ça, je suis chiant aujourd'hui? Oui! Et on stream, je fais ce que je veux. Bienvenue dans l'hospice de The Big Gamowski. Aujourd'hui, avec Monsieur K. Vous faire voir un chemin absolument génial qui a déjà plus de 18 ans. C'est ça qui est rigolo. C'est que moi, ce jeu, je l'ai jamais touché. Et oui, je ne peux pas avoir essayé tous les chemins du monde. La légende est donc fausse. Et c'est pour ça que je me fais un grand plaisir à partager ces streams. C'est pour. Je les découvre souvent. Et vous les découvrez en même temps que moi. Et on peut explorer et puis essayer de trouver des petites perles. Alors savoir que, oui, expression classique, parmi les perles, il y en a toujours quelques-unes qui puent, c'est connu. Mais bon, ça fait partie de l'histoire et de l'évolution des shmups, parce que je sais pas si vous avez regardé les streams qui concernent les très vieux titres. Le chemin parcouru quand même en moins de 20 ans, c'est assez hallucinant. Quoi. Parce que là, on en est carrément à de l'ergonomie dans le shmup, chose qui n'était pas envisageable en 1980. Déjà, le terme n'existait pas, selon clair, enfin, pas dans l'informatique. Et puis, c'est quand même sur le tard et à force d'expérimenter qu'on a découvert des trucs. Hein. Par exemple, le fameux truc de réduire les hitbox, le fameux truc de permettre des ralentissements de déplacement du vaisseau quand il y a des nuées de boulettes qui sont un poil trop denses, que ce soit par un bouton appuyé ou par... oui, je suis concentré. Par... J'arriverai pas à finir ma phrase. En général, quand le soft veut pas que je finisse une phrase, bah, il insiste. Hein. Et je reste bloqué dessus, donc comme un micro-sillon rayé. Comme un micro-sillon rayé. Comme un micro-sillon rayé. Comme un micro-sillon rayé. Non, je ne te bomberai pas, je ne te bomberai pas, je suis de très bonne humeur. Ceci dit, là, tu commences à me chauffer un poil.
ça va très très mal se passer. Changeons de vaisseau. C'était la photo vaisseau en même. Et là, je vais avoir une grosse tour. Putain, il se déplace beaucoup trop vite. Alors, oui. Ce jeu est fait pour que vous mettiez un masque de sous dedans, parce que avant de trouver le vaisseau qui vous convient à vous, je vous garantis que les caractéristiques changent vachement d'un engin à un autre. Bah déjà, je suis passé d'un dragon à un vrai petit vaisseau. Et après, rien que de changer la couleur, grosso merdo. Là, le déplacement est trop rapide pour moi. Ça va super mal se passer. Disons que dans les nuées de boulettes massives, ça va être un poil, ouais, un poil. Là, ça se passe bien parce que je peux direct aller balayer là où il y a besoin. Mais quand l'écran va commencer à être rempli, je vais pleurer du sang à chaud de larmes. Ah non, il va beaucoup trop vite pour moi cet engin. Prochain arrêt, je change de véhicule, les amis. Hein. On va faire comme dans GTA. Je peux pas changer à la volée. Allez, fais pas ton rat. Il va 10 000 fois trop vite cet engin. C'est bizarre quand même qu'ils aient pas pensé à mettre un tir chargé ou soit l'option qui ralentit justement. C'est assez strange. Parce que ça coûtait pas plus cher et ça aurait rendu le jeu aux petits oignons. Genre 100 sur 100. Non. Non. Fallait bomber, monsieur. Oui, mais j'avais pas envie. Tu sais le prix d'une bombe dans un shmup? Moi, j'ai déjà dû vendre deux yachts à cause de ça. Comment ça, j'en ai encore? Bah oui. Comme ça, j'ai pas les yachts en train de bien. Non, non, il bouge trop vite. Oui, oui, on continue. Mais je change absolument de vaisseau parce que celui-là, il est infâme. Si je prends rouge, ça va être encore pire. Bah, lui, il a l'air neutre, on va dire. On va inventer des... Oula, non, mais lui, c'est un veau. C'est le contraire! C'est un veau marin! J'ai l'impression d'avoir une baleine! Alors, il y a un pseudo-mode chargé des fois, mais. Pas évident de voir la différence. Alors, mine de rien, on a voyagé jusqu'au troisième tableau. Jusqu'à maintenant, vous m'avez entendu un peu râler. C'est normal, vous m'avez entendu dire énormément de conneries. C'est extrême. Mais qu'est-ce qui s'est passé, surtout je me suis amusé, hein, mine de rien. Donc, pour un jeu que je n'ai jamais touché, bon, je joue pas comme un dieu, je le connais pas. Mais, voilà. Le bougre nous tient, là. Il nous tient. Je ne dirai pas par quoi, parce que les gens pourraient avoir encore des idées tordues. Waouh. Non, il y a un moment, tu le prends dans la gueule. Visibilité, là, elle est un peu gravose, quand même. Beaucoup trop de gris, les amis. Et alors, on bouge droit, on va continuer. Pas terrible, terrible ton jeu. Ah non, monsieur, fallait bomber, monsieur. Allez, changeons de véhicule. Petit rouge, petit vert. Oh, le petit vert, il est rigolo, ça va mettre un truc de babos. C'est rigolo quand t'as un chemin quand même. Il est pas si babos que ça, pépère. Hein. Oula, ça va être la tête à moi. Non, tu arrêtes ton cirque. Hein. Musique d'énervé, dis donc. Ah bah oui, mais là je savais plus où j'étais, gars. Ouais, il y a des moments la visibilité c'est assez inégale. Alors c'est peut-être parce que je suis vieux que j'ai des vieux yeux. Non, mais je vous surveille tout le long du stream. Hein. C'est pour ça que je joue pas très bien d'ailleurs, parce que je sais que mes viewers font des conneries pendant le stream. Je suis obligé d'avoir un œil chez vous grâce à la webcam qui est piratée et que je contrôle à distance. Merde, j'aurais jamais dû dire ça.
Bon, y a pas que ça que je contrôle à distance, hein, mais vous le découvrirez au fil des streams, je pense. Et oui, ça vaut le coup d'avoir des hackers dans ses connaissances. Comment ça, il redit des conneries? Non, là, c'était tout à fait véridique, ce que je vous racontais. Donc moi, je serais vous, je débrancherai l'USB de votre caméra si vous n'êtes pas sur un laptop, parce que regardez le voyant, là. Il n'est pas encore allumé? Méfiez-vous. Comment faire une génération de paranoïaques? Hop hop hop, on va parcourir les vaisseaux, hein. On va se permettre ce luxe, parce que on n'aurait pas pu être du vrai argent. Allez, bon comme... Oulala, oulala, c'est pas mal ça. Dis donc, pourquoi on me l'a pas présenté au début lui? Non mais j'achète. On est fait pour s'entendre. Tirons V intense. Qu'est-ce que tu veux de mieux? Genre c'est le Chanel numéro 5 du tir. Je crois que ça va être le best team code celui-là. Et puis il y a une mise en abysse en plus. Oui, il faut tout le temps renouveler les conneries dans les streams, c'est super important et c'est super compliqué en fait. Oh putain, mais ça tire vite quand même. Ça tire quand même très très vite. J'ai pas fini de pleurer. Ouh, moins une celle-là, moins une. Oh, bah oui, c'était obligé, je me prenais la suivante parce que le pauvre, quand même, il l'avait bien placé là. Là, j'ai eu mal. Donne-moi ça. Tu t'en serviras pas, moi j'en ai besoin, ça tombe bien. Donc voilà, quand on garde un petit peu appuyé, ça fait ce petit tir en plus, mais c'est... J'arrive pas à sentir la différence. Ça nettoie pas tant plus que ça. De là dire que c'est purement esthétique, on n'en est pas loin. Ouais, je reviens sur les histoires de visibilité que je disais au début, quoi, parce que ça a vachement perdu là. Autant début bleu sur du gris sur du bleu, ça passait pas trop mal, mais là ça devient un peu difficile. Oh, oh, oh. Tout ça pour ramasser des bonus à la con. Ah, mais merde! Je les aurais jamais ces bonus. Je vais continuer à celui-là parce que il me plaît vraiment. On est fait pour s'entendre. Donne-moi ça, t'en as pas besoin. Oh. Oh, 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 oh. Putain, le piège à con pour ramasser ses bonus, c'est incroyable. Non. À chaque fois, je me fais avoir en plus. T'as juste à rester au milieu entre les tirs tranquilles. Mais non, faut que je bouge. C'est la journée pas toute détendue, ça. Ah, mais il a des petits collègues, c'est sympa. Oui, ben, je sais pas, trouvez-vous un aéroport, et puis faites une petite réunion entre vous, une démonstration Tupperware, je sais pas... Oh, ma Ah, ça fait mal, ça. Ça fait très mal. Je me suis fait pulvériser parce que j'ai perdu mon avion au milieu de mes propres tirs. C'est assez dingue ça. Pourquoi t'es mort? Je me voyais plus dans mes tirs. Violence. J'ai pas eu le temps de bomber. Il est vraiment très chouette ce jeu. Alors le problème c'est quand tu bombes, et je me suis fait avoir bêtement comme ça, c'est que ça cancel pas les boulettes autour. Donc dès que tu redémarres, tu te jettes sous une boulette. Oh le pattern de fou. Et monsieur, faut que je révise là, faut que je révise. Vous pouvez pas me mettre ça dans la gueule comme ça, bon maintenant, ça n'est pas possible. Oh le pattern en spirale là qui est parti très très vite, je suis
content d'être mort juste avant en fait, parce que j'allais très très mal le vivre, je pense. Comme la majorité des gens découvrant le truc, oui. Bon, du tout bon ce jeu. On continue, hein, je crois qu'on va le faire en entier parce que j'ai vraiment beaucoup de plaisir. Je suis juste déçu de pas jouer comme un mec qui le connaît déjà. Ah, on l'a loupé, je crois. Alors, on l'a loupé, c'est pas on l'a raté, hein, c'est on a fait le. Bah, on a dû faire un loop complet du jeu, il n'y a pas de fin. Particulièrement parce que là, je crois bien qu'on est retourné sur les décors du début, qui étaient très lisibles. Donc, je n'ai aucune excuse valable pour ne pas être bon là. On va pas. Puis en plus, oui, il tire méchant, il y a beaucoup plus de boulettes. On va avancer un petit peu, juste par curiosité, pour voir la gueule du boss en mode énervé. Ça devrait être pas mal, quoi. Ah oui, il y a de la. Oui, on a bouclé le jeu, je confirme. Parce que là, il y a de la boulette suicide à foison. Genre, le mieux, ça serait de pas tirer à la limite. Regardez-moi ça. Et oui, on les voit bien, hein, pour les gens donc qui voulaient savoir ce qu'était une boulette suicide, bah il n'y a qu'à voir les explosions des différents ennemis, et puis l'apparition soudaine et étrange de cette petite boule jaune persistante d'ailleurs. Je crois que toi ça va tous faire à la bombe parce que tu vas être méchant. Très méchant, je te sens très 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 très. Et plus rapide en plus. Non, mais ça, je neutralise déjà. Parce que ça va que mal se passer. Et voilà, et je laisse des boulettes histoire d'encombrer un poil d'écran, que tu ne sois pas stressé. On va pas faire le deuxième loop, les amis. Vous avez vu ce qu'il y avait à voir dans le jeu. Par contre, qui dit deuxième loop imposé comme ça, je pense qu'il doit y avoir une fin différente. Hop, on va sortir du jeu. Shbim! Raiden Fighters Jet est totalement validé. Allez, ça sera pas un luxe, on va se le mettre dans le top. Parce que je pense que entre. Il n'a pas l'air très long, hélas. Mais entre les patterns, la jouabilité, la rejouabilité, vous rajoutez vos modes de scoring dessus, en veux-tu, en voilà. Mais il y a de quoi passer des plombes dessus, juste en enchaînant des petites parties qui peuvent faire 5 minutes ou voire, je sais pas, on a loupé en combien? 20 minutes, ça a été rapide. Donc voilà, Totally Recommended Raiden Fighters Jet. Ça serait bien qu'ils nous le sortent sur les machines récentes en remaster, on dirait pas non. Sur ce, je vous donne rendez-vous demain à 19h, probablement. Oui, maintenant je vais rajouter des probablement. Parce qu'il y a de fortes chances que la cadence des streams ralentisse et inexorablement, à un moment, je ne pourrai plus tenir le stream quotidien. Voilà, vous avez tous les secrets. Raison de plus pour s'abonner, surtout pour partager la chaîne. Abonnez-vous sur le Twitter, The Big Gamowski tout attaché avec l'arobase devant. Vous aurez des infos en plus et puis des petits bons plans à partager de temps en temps que j'aime bien vous balancer. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous, à demain sûrement. Ciao.